J'ai vu Fatou Bensouda arriver et puis réciter tout ce pourquoi on m'accuse. J'ai dit, c'est encore déjà là. J'ai dit, c'est encore déjà. Mais donc, il n'y a rien. J'ai dit, mais t'as dit, ce que je n'avais dit là, qu'il n'y a rien là. Ça y a rien. Donc tu peux me défendre. Effectivement, il n'y avait rien. Il y a des témoins même qui venaient en leur demandant quel est le nom de ton village. Et puis ils disent, attendez, je vais chercher. En Babo, on m'amène quelque part, on me demande quel est le nom de ton village. Et puis je ne sais pas que je ne voulais pas. Mais... Non. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a en leur demande, est-ce que vous connaissez le monsieur? Il dit non, moi je ne l'ai jamais vu. Mais tu l'accuses pourquoi? Et puis il y en a quand ils avaient fini de témoigner. Il dit, pardon, je voudrais aller les saluer un peu. Bon donc, on s'est amusé comme ça parce que c'était plus des amusements. Mais sauf qu'on était en prison. C'était plus des amusements. C'était pas sérieux. Je vous dis, ce n'était pas sérieux. Il fallait écarter un homme gênant, un concurrent gênant, alors on m'a mis là-bas. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que si j'étais venu avec un titre de criminel, c'est vous tous là qui allez avoir honte. Or, même les blancs qui ne nous connaissent pas, là, qui ne connaissent pas nos petites querelles ici, là, ont su que je ne suis pas un criminel. Moi, je fais tout, hein. Mais je ne suis pas un criminel. On peut m'accuser de beaucoup de choses. On peut m'accuser de beaucoup de choses. Mais pas de crime. Je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Donc, quand en novembre 2018, on nous avait promis 135 témoins de l'autre côté, du côté de l'accusation, il y a 82 qui sont passés. Le juge demande au procureur, vous avez encore des témoins? Il dit non, c'est fini. Les autres ne veulent pas venir. Les autres ne veulent pas venir. Alors, le juge, les trois juges, ils ont appelé nos avocats, mes avocats et les avocats de Charles Brébouté. Ils disent, plaidez. Les avocats disent, mais on n'a pas encore fait venir nos avocats. Ils disent, c'est pas la peine, plaider. Plaider parce que déjà les avocats qui sont venus pour accuser Babo, ils ont blanchi Babo. Les témoins qui sont venus pour accuser Babo, ils ont blanchi Babo. Donc, vos témoins vont venir pour faire quoi? Donc, plaider. Et puis, on va quitter ici. Donc, non, laisse ça devant. Donc, ils ont plaidé. Et c'était en novembre. Décembre, il y a eu le congé de Noël.
Et nous sommes revenus en janvier 2019. À la reprise de l'audience, le 15 janvier 2019, le juge principal Kano Tafusha, il dit que l'accusation n'a pas été seulement faible, mais elle a été très faible. Et que lui et son collègue de la Jamaïque, parce qu'ils sont trois juges, donc si deux sont d'accord sur une décision, c'est cette décision qui prend. Lui et son collègue de la Jamaïque, ils ont décidé d'acquitter immédiatement Laurent Gbagbo et Charles Wembanyama. C'est là que le bureau du procureur s'élève. Vous dites, bon, il ne faut pas le mettre, il ne faut pas le libérer pour le moment. Parce que nous, on va faire appel. Donc, mon avocat me demande la conduite d'Athénie. J'ai dit non. Moi, j'ai déjà fait 8 ans. Tout le monde a entendu que je suis acquitté. Même si je dois faire 1 mois ou 2 mois, ça, c'est pas un problème. On dit, je suis acquitté. Donc, je suis acquitté. On nous a gardé 15 jours. Et puis, au début de février, on nous a fait sortir. Moi, j'étais dans un hôtel. Le coup était dans un autre hôtel. J'ai fait venir Nadie, elle est venue me chercher et je suis allé à Bruxelles. J'étais à Bruxelles quand Maurice Dicaoulier et son équipe dirigeante sont venus me voir au nom du président Bidi. Pour la suite, vous la connaissez. Après, j'ai reçu le président Bidi lui-même à Bruxelles. Bon. Un jour, il y a un gars d'un ministère. De Belgique, qui me fait parvenir un mot. Il dit, monsieur Gbagbo, vous êtes ici, vous ne devez pas faire de politique. Or, on voit que vous faites de la politique. J'ai dit, comment ça? Il dit, vous avez reçu le président Bédier et une délégation du PDCI. J'ai dit, bon, quand c'est comme ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Quel que soit qu'on est, ça sera souvent. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, non, il n'y a rien, mais c'est pour vous dire que. J'ai dit, bon, il n'y a rien que je retiens. Le reste, là, il faut le dire. Moi, vous m'avez amené ici à cause de la politique. Et vous ne voulez pas que je fasse la politique? Ce qui m'a amené ici, là, c'est ce qui va me sortir d'ici. C'est la politique qui m'a amené ici. C'est la politique qui va me sortir d'ici. Donc, il ne faut pas vous amuser en disant, en croyant que je ne vais pas faire de politique. Je fais la politique toujours. Je fais la politique toujours, donc voilà. Bon, et puis ça, c'est passé comme ça.
Et le procureur a déposé, a fait un appel, mais c'était surtout vous oubliez le quoi. C'était surtout une affaire de honte. Voilà. Pour essuyer la honte. Voilà. Non, on ne l'a pas dit comme ça, on a mis comme ça. Je dis, bon, je suis libre ou je ne suis pas libre. On dit, tu es libre. Je dis, bon, c'est tout. Le reste, là, ce n'est rien. Voilà. Donc, je suis venu. Je suis venu. Tout à l'heure, j'ai été très heureux que le frère Dicavier ait joué un rôle important dans le rapprochement entre nos deux parties. Voilà son frère et ami Assouadou ici. Ils sont face à face. C'est les deux sorciers. C'est eux qui discutent toujours la nuit. C'est eux qui discutent toujours la nuit. Donc, les parents, je suis là. Je suis là. Je suis là. Les chefs, je vous salue. Je vous salue vraiment. Je vous salue beaucoup. Je vous salue. Bertin, c'est mon parrain. Roger Bertin, le chef de village ici. Son père, qui s'appelait Jobo Passé. Je n'ai pas l'habitude de l'appeler mon cousin ou mon grand frère. Je l'appelle président. Parce qu'à Abidjan, on avait une association des cadres de Mama. Et c'était lui notre président. C'est lui, c'est chez lui qu'on se réunissait. Toujours. C'est chez lui qu'on se réunissait. À Ebogon. Et nous, là-bas, on disait qu'on a déjà notre chef. Hein. Donc, quand nous sommes arrivés ici, et que l'autre chef de village était décédé, qu'il fallait trouver un chef de village, Bré Boniface, qu'on appelle Guyot Jean, qui est d'ici, il m'a appelé, il dit grand frère, l'histoire des chefs de village, à qui tu dis, j'ai dit, mais nous, on a déjà nos chefs de village. Et comme il est à la retraite, c'est enlevé là-bas. Il y a mon temps que je m'en prie. J'ai dit, mais tu vas dire à tes parents, parce que comme lui, il est de l'autre quartier, je suis de ce quartier. J'ai dit, tu dis aux gens de l'autre quartier là-bas que Roger Bertin est notre chef de village ici, à Abidjan. Or, nous tous, on est à la retraite. Et moi, je vais dire aux gens de mon quartier que Roger Bertin est notre candidat. C'est comme ça. Donc je le remercie, il est dans son travail. Il nous a toujours guidés comme ça, même à Abidjan. Merci, Bété. Merci pour ton travail. Comme toujours, Yao, lui, son père était chef de village ici. Goli Samuel. Et quand justement on avait l'association avec le Bertin, il y avait le grand frère de Cadet, de Géné, je ne sais pas où il est. De Géné est là, hors zone. Ah. Mais depuis que je suis venu, je n'ai pas vu. Donc il y avait de Géné, lui, moi. Sopo Sébastien qui vient de mourir, il y a bon, puis on venait faire les réunions pour essayer de voir ce qu'on peut arranger, ce
qu'on peut faire pour le village. Et merci. Et puis, toi, merci aussi pour le village. Vous tous, je vous remercie. Vous tous, je vous remercie. Je remercie les chefs banques. Je remercie les chefs bourreaux. Je remercie les chefs béquiers. Je remercie. Non, mais je te désire parce que tu es le porte-parole. Oui, oui, oui. Je remercie, j'ai dit les chefs béquiers, les chefs de. Zabia. Oh, oui, oui. Zembré. Zembré. Je remercie les chefs de guerre. Les chefs de Dri. Les chefs de. Enfin, tous les chefs. Gabré. Gabré. Ah oui, les chefs de Dri, oui. Ceux-là, il faut. Hein? D'accord. Bon, tu vas les remercier pour moi après. Je les remercie tous. Et je les remercie pour moi. Je les remercie pour l'amour fraternel qu'ils m'ont porté aujourd'hui. Et cet amour fraternel-là, c'est qui me le porte depuis toujours. Je les remercie. Je les remercie. Je remercie les cadres. Les cadres. Parce que dans un département ou dans une région, quand il y a les barrages, ça commence par les cadres. C'est eux qui se battent toujours. Oui, je vais être ceci, je vais être cela, je vais être ceci, je vais être cela. Mais nous, nous sommes des cadres orphelins. Nous sommes des cadres orphelins. Donc on n'a pas à se battre. Si quelqu'un, on est dans un puits, si quelqu'un grimpe pour sortir du puits, ne le tirons pas pour le faire tomber. Poussons-le plutôt pour qu'il sorte. Parce que si lui il sort, il peut peut-être nous aider en nous envoyant une corde pour nous tirer. Donc, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. Ne jetons pas l'anathème les uns sur les autres. Ne jetons pas en douce les uns et les autres. Voilà. Moi, je dis quand même, il est pédé, mais ça fait quoi? Il est pédé, ça fait quoi? Ça fait rien. Pas pour c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. Ça, le professeur, qui est mon petit frère? Bon, il est PDCI, il a été ministre du Fouet. Mais ça fait quoi? Ça fait quoi? Parce que si on doit être tous d'accord, toujours, il n'y a plus de démocratie. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'il y a la démocratie. Là, on organise des discussions, tout ça. Donc, moi, je m'entends bien avec eux. Je m'entends bien avec eux. Guédé Pagnon, est-ce qu'il est là? Oui. Voilà. D'accord. Mais je. Tout ça. C'est lui qui m'a donné d'ailleurs mon premier salaire. Guédé Pagnon. Quand j'étais étudiant, il avait son collège privé à Divo. Il est venu, je suis allé enseigner là-bas un mois, deux mois.
j'avais la joie d'avoir un salaire. Parce qu'auparavant, j'avais des bourses. Mais là, j'avais un salaire que j'avais mérité parce que j'avais travaillé. Et donc, je vous salue. Je vous salue. Titiaï, la nuit tombe. La nuit tombe. Je vais libérer la route aussi. Je vais libérer la route. Je ne pas trop vous retenir. Mais je suis fier de voir cet appartement rempli et débordant. Voilà. Je suis fier. Parce que je ne croyais pas que cet appartement-là pourrait être un jour rempli. Et je suis fier de le voir rempli et débordant. Tous les chefs, je salue tous les habitants de vos villages. Je demande à Dieu de vous bénir. Je demande à Dieu de bénir toutes vos populations. Je demande à Dieu de bénir toutes vos femmes, toutes vos filles. Je demande à Dieu de bénir tous vos jeunes. Voilà. Ayao. Et pourquoi accueillir? Et pourquoi accueillir? Et pourquoi accueillir? Elle a compris. Elle a compris. Elle a compris. Excellence, monsieur. C'était là l'adresse de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le président Laurent Gbagbo dans un standing ovation? Merci, président. Merci d'avoir dit le mot qui sauve, qui apaise et qui rassure. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette rencontre. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président, va prendre congé de nous, suivi des personnalités qui sont sur l'estrade avec lui. Ils seront suivis par les autres personnalités au premier rang et le public suivra. Mais avant qu'il se retire, le groupe Zakeliba a tenu à lui dire au revoir et à bientôt. À présent, nous allons donc admirer encore le groupe Sekeliba dans cette dernière prestation avant que le président et sa suite ne prennent congé de nous. Maman, venez un instant. Venons vous arracher quelques mots, ça va.